Evelyne, fami a fait ce commémoré 8 mars et pas me temps de gon 3 avril tout. Ou même qui m'en prie, qui ça nous a dit dans ça? Effectivement, il y a un pile date qui est extrêmement important pour l'histoire. 8 mars là, c'est une. Bon, nous avons dit 8 mars là, un pile monde connaît comme journée mondiale de la femme. Donc, un pile monde connaît, un pile monde capable de faire un pile mobilisation autour de data, mais c'est au niveau mondial. Mais quand il y a ça qui passe, au niveau national, boy, site là, nous même tout, nous avons deux dates qui sont importantes. Mais on sentit pas qu'il y a trop de monde qui comprennent ça et qui baille ça à importance. Donc, c'est dans ce sens ça, nous même au niveau de CREGED, qui se centre recherche et éducation sur cause des gens et développement, nous décidons d'ouvrir la parole pour nous parler ensemble avec Mounio, pour nous informer autour sur quelques dates qui sont importantes pour nous au niveau national. Et parmi eux, c'est journée 3 avril ça qui va parler à qui c'est une date qui est extrêmement importante, qui est fondamentale pour nous comme peuple. C'est une date qui est importante pour le mouvement femme haïtienne. C'est une date qui marque nous avec l'histoire nous comme peuple. Et qui côté date ça sorti même? Dans la lutte pour la libération du pays, femmes et garçons toujours campés ensemble pour mener la bataille là. Mais ça qui paraît drôle là, c'est que après la bataille a fini, c'est comme si la société a une tendance, les a cherché à résoudre le problème, elle a une tendance à voir le problème de la femme à côté. Eh bien, c'est exactement ça qui est dans le pays d'Haïti. Nous songeons toute période de dictature, eh bien, tout le peuple, ni femme ni garçon, campé, ils ont capoté et dictature. Donc, 7 février 1986, le pays a libéré. Eh bien, ni femme ni garçon, chita, pour l'autre problème qui gagne dans le pays, pour résoudre. Eh bien, c'est comme ça, dans toute revendication que tu as gagné, pas gagné un côté que le problème spécifique de la femme est touché. C'est à ce moment-là que mesdames ont commencé. Ouais, chaque fois qu'ils ont essayé de glisser un petit problème qui est spécifique à la réalité de la femme, eh bien, ils sont pour le fond problème, ou bien c'est comme si ce n'est pas de problème réel qui besoin de résoudre dans la société. Eh bien, c'est comme ça, bien bonnet. Mesdames, vous commencez, ouais, il y a les phoques à côté, il y a un mouvement femme, il y a une bataille femme pour chercher à résoudre le problème qui est spécifique à la femme. Après 7 février 1986, mesdames, vous avez commencé depuis 3 avril à faire de gros activités. Parmi eux, vous faites une grosse manifestation dans 4 points dans le pays. Manifestation, ça a commencé au Cap, il est passé au CAI, il est arrivé à Jérémy pour le vin bout de Port-au-Prince. Côté mesdames, yo ta avec pancarte nan main, y a pour revendiquer non seulement droit yo comme citoyenne, droit pour yo participer, droit pour yo intégrer yo dans tout ça qu'a fait en dedans société. 3 avril 86 gros manifestation ça fait, eh bien un an après 3 avril 87 mesdames, yo pral décréter journée ça comme journée nationale mouvement femme haïtienne. Qui ça date ça pote pour nous dans histoire nous comme peuple? Eh bien, ça porte un pile bagaille déjà. Bien que nous gagnons bonne lot toujours pour nous avancer sur yo. Parmi yo, nous connaissons, après 7 février 86, premier bagaille qui est important pour nous, c'est que Babouquette l'a tombé. Eh bien, automatiquement, Babouquette ça a tombé. Organisation commence à pousser tant que John John dans tout 4 pays. Et organisation femme spécifiquement. C'est pour ça n'a besoin après période 7 février 86 on bonne organisation femme bourgeonnais dans tout tira coin dans pays. Ça son premier gros pas qui fait. Deuxième pas qui fait c'est que gen en pile préparation que mesdames ça octane d'organisation t'a fait pour t'essayer faire de propositions de texte de loi pour corriger de fausses côtés qui t'ai gagné en dedans maman loi pays a qui t'ai géré causer relation femme à garçon. Troisième bagaille nous ta capable di, gen de lobbying qui fait au niveau chamyo pour que yo rive voter loi sa yo. Quatrième bagaille nous ka di qui important tout, c'est nous ta capable di vers période 1994, c'est revendication femme tout partout ta porté pour te mon espace kap traiter problème femme yo qui c'est création ministère conditions femme ak droit femme qui normalement son espace qui là qui pour gérer cause égalité cause équité entre femmes avec garçons dans toute structure l'état yo. Décret loi 6 juillet 2005 là lui même li extrêmement important, c'est un décret loi qui traitait cause cas de Jacques
causé viol et puis tout li puni Kadejak là qui vient tourner un crime contrairement à Jean Letellier avant. Ensuite, l'autre bagaille gagné et de projet loi qui parle permettre que gen pi bon traitement pour servante qui travaille kay madame moun ka fait tâche domestique yo. Encore gagné aspect papa yo qui pas toujours prend responsabilité de timoun yo surtout nous-mêmes en Haïti, donc il y a de projets loi qui traitent causer ça pour permettre que papa yo non seulement prend responsabilité par rapport à timoun mais timoun yo tout qui fin fait pour que yo reconnaître yo pour que timoun ça yo gen papier. Tout ça c'est de propositions que mesdames organisations femmes yo fait après et leur fin décrété 3 avril là comme 3 avril 1987 là comme journée nationale mouvement femmes haïtiennes. Dans ce sens, quel message que j'ai gagné pour la population haïtienne? Eh bien, le message que nous sommes capables de gagner pour la population haïtienne, c'est que nous voulons faire tout le monde comprendre, même Jean 8 mars, là, il est important, il même ils sont date mondiale. Mais 3 avril, là, il même ils sont date nationale. Et c'est journée nationale mouvement femmes haïtiennes. Donc, dans le CRIJED, n'a pas invité ni femmes ni garçons. On nous colle les épaules, on nous pique devant pour nous porter plus victoire par rapport à droit femme actif dans le pays d'Haïti.